Salut, c'est Flo, aujourd'hui on se retrouve à l'intérieur pour une nouvelle vidéo, un job de papa avec WeJetSign 300. Salut tout le monde. Aujourd'hui, le but du job de papa, il rigole déjà, bref, il a déjà perdu. Le but du job de papa, ça va être de se dire des blagues un peu nulles, un peu pourries, on va dire. Celui qui rigole, il perd en gros. Ça va jouer sur 20 blagues et voilà, tout simplement. Bon, je commence. Qu'est-ce que deux petits pois morts? Le reste d'un manduel. Ouais. Qu'est-ce qui est rond, petit et qui fait beaucoup de bruit? Une punaise dans la vie. Ok. Qu'est-ce qui est vert et qui pousse sous l'eau? Un chou marin. Qu'en roue sur une bicyclette. Bon. Ah, je comprends pas. Je t'ai dit en non, le 3 roues. Mais bon, ça va plus faire un peu de secours. On rigole sur les roues là quand même. Avez-vous des enfants? Oui, deux. Passion, oui. Non, Francis et Jean. Il y a une vache et un citron qui font un hold-up. Le citron il dit plus un zeste et la vache elle dit que personne ne bouge. J'en ai marre. Deux points pour toi. Non, ça fait 2-1 parce que j'ai rigolé aussi. C'est l'histoire d'un mec qui rentre dans un bar, il dit salut c'est moi, tout le monde se retourne et c'était pas lui. Pourquoi j'ai rigolé? Ça fait allez, 3-1. Oh là là, là je suis bien parti là. C'est une blague à deux balles. C'est l'histoire d'un aveugle qui rentre dans un bar, puis dans une chaise, puis dans une table. Quelle gueule. Je la connaissais celle-là, mais. Ouais, incroyable. C'est un mec qui raconte une blague à un aveugle. Et l'aveugle il dit je l'ai pas vu lui. Non mais c'est horrible, j'en ai marre, mais je vais perdre une allure. Ça fait 5 de... On va arrêter avec les aveugles. C'est... Ouais. Ouais. Quelle est la date de la fête des fumeurs? Février. Le 1er juin. À quand on ramasse les papayes? À quand? Avec quoi on ramasse les papayes? Avec une faux franche. Tu connais l'histoire de Zip le pingouin? C'est un pingouin, il marche sur la banquise et Zip le pingouin. Tu connais le frère d'Emilien? Non. Et Minouille. Bon bah 5. Tu connais l'histoire de l'armoire? Vas-y, 10, je sais pas combien. Vas-y, c'était quoi commode? Alors, en plus, moi, je rigole pour de la merde, mais lui, il me fait rire. Comment appelle-t-on un chien sans pattes? On va chercher. Je me fais des images dans la tête. Et rigole pas. T'as pour une fois que j'avais réussi à parler. Oh putain. C'est horrible. Quelles sont les lettres les moins invisibles? Les moins visibles. S, A, C. C'est quoi l'avance croquette? Une ketchup et une salade. Qu'est-ce qu'une douche? Une douche sans eau. Ça fait quoi un hibou qui rentre dans une casserole? Hibou. Que dit Frozen dans sa maison? C'est la plus jolie.
creuse, mercredi je creuse, jeudi je creuse, vendredi je creuse, samedi je creuse. Bon, ok, d'accord, la blague est plate, mais le trou est profond. Bref, c'est fini. Bon, bah, mais on va écrire 3 points pour moi. 17. 17. Non, en réalité, je ne sais pas du tout combien il y a. Bref, ouais, il y aura un petit compteur en bas où Samuel le score, qui c'est qui a gagné, mais je crois bien que c'est moi. Oui. Il n'a pas arrêté de rigoler tout le long. Quand il rigolait, il me faisait rire. En tout cas, la prochaine vidéo, enfin, vous pouvez liker et me dire dans les commentaires si ça vous a plu, si vous en voulez une autre. La prochaine, le prochain job de papa se passera donc avec Magie Magique, enfin Abracada N, vu qu'il a une nouvelle chaîne maintenant. En tout cas, tu likes la vidéo, tu la partages sur les réseaux sociaux si tu veux, mais bon, ne va pas nous mettre trop le malaise, sachant que cette vidéo doit être le malaise à 100%. C'était Flo, bye. C'est la fin du montage, le job de papa, c'était un montage long, très long. Non, pour vous montrer un petit peu ce que c'est un peu le montage, etc., à quoi ça ressemble enfin quand c'est fini, ça ressemble à ça. Des tas et des tas de coupures, des tas de textes, là où il y avait le score, etc., etc. Et là, c'est donc c'est tous les sons, les bruits, etc. qu'il y avait, et les moments où je vous ai fait très très mal aux oreilles, par exemple ici. Bref, voilà, like la vidéo, partage-la et dis-moi si un job de papa, un autre job de papa te plairait. Bye.